2013, a year of all kinds of records for the University Games. Whether it was the Summer Universiade in Kazan or the Winter Games in Trento, FISU's two major events made history. More than 10,400 athletes and coaches took part in the summer competitions, a new record. And there was a new record too at the Winter Universiade, with 2,600 taking part. But behind these figures, FISU also saw new records in terms of media interest. FISU's president is Claude-Louis Galliani. C'est un très bon bilan. C'est toujours un peu inquiétant d'organiser des événements de cette dimension-là. Il faut avoir de très bons techniciens. Il faut avoir des comités d'organisation très performants. Et il faut avoir un petit peu de chance. Alors on a tout eu. July the 6th, 2013 marked the beginning of the biggest multi-sport gathering outside the Olympic Games. For 15 days, the 27th Summer Universiade in Russia played host to student athletes from 162 countries, another record. And watching the parade at a special opening ceremony, more than 45,000 spectators. Oui, ça a été un grand succès sportif et ce qui est ça a été vraiment pour eux un moment exceptionnel. Il faut savoir que pour les universitaires, nous avons certes des athlètes de niveau olympique, mais encore plus qu'aux Jeux olympiques, le niveau est relativement différent. Et pour certains athlètes, les universitaires constitueront le plus grand événement sportif. They were all overwhelmed by the grandeur of the event. Magnificent. Ça a été l'émerveillement, ça a été extraordinaire. Nous avons eu tous les échos des fédérations nationales où ils ont été subjugués par la grandeur de l'événement. L'Universiade est de mieux en mieux connue. The Universiade is better and better known. And the opinion that students and their teachers from the universities of the world have of what the Universiade is, well, it's something that's really positive. We know that it's not as stressful as other large competitions. The standard is very high, but we have fun practicing high-level sports. Le niveau est très élevé, mais on joue à faire du sport de haut niveau. The evidence of the health of international university sport is in the numbers. The 10,442 who took part at the Universiade in Kazan. It involved athletes from more than 2,800 universities around the world, and their performances reached a wider audience. Nous avons organisé des épreuves pour lesquelles il n'y avait pas assez de place, et je dois dire que c'est un phénomène que nous avions déjà observé lors des universiades de Shenzhen. Par exemple, dans les universiades de Shenzhen, les épreuves d'athlétisme avaient réuni plus de spectateurs que les championnats du monde qui ont eu lieu deux semaines après, à Daegu, en Corée du Sud. Donc je crois qu'on a fait It means the event is well known. And the event is known, so it draws more media attention, and so it becomes even more well known. Que l'événement est plus connu. It's a little bit of a virtuous circle. Plus de médias, il devient encore plus connu, et c'est un petit peu un cercle vicieux favorable. The sports program was bigger than the Olympic Games. At Kazan, there were 351 gold medals against 302 at the London Olympics. And contrary to belief, students of sport received only 46% of the medals in the games, even though the Russians dominated the Universiade by winning nearly half of the competitions. Il y a eu une certaine polémique qui a été faite, mais là, je peux vous dire que nous avons une commission de contrôle qui a supervisé l'inscription de ces équipes russes. Donc, tout a été fait d'une manière correcte, mais ça aussi un effet de stimulation. Et là, je peux vous dire que certains pays comme les États-Unis nous ont encore confirmé que pour les universités de Guangzhou, ils auront une équipe encore plus forte que l'équipe qu'ils ont présentée. Universiades are the planet's number two multi-sport event, and as such, they transform the city that hosts them. Remodeling the image, for example, and the infrastructure of Kazan, the Russian city taking advantage of the Universiade to carry out large-scale renovation.
Et les enseignements positifs, c'est une ville qui s'est littéralement transformée en organisant l'universiade, ce qui va certainement provoquer d'autres émulations, parce que Kazan a été littéralement transformée tant sur le plan architectural, sur le plan des infrastructures sportives, non sportives, nouvel aéroport, nouvelle gare, c'est quelque chose de très, très important, très positif parce que les fédérations internationales y étaient magnifiquement représentées, parce qu'il y avait un intérêt du monde médiatique, parce que nous avons une couverture médiatique qui n'a jamais été comparable, donc nous n'avons que des enseignements positifs à tirer. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 25 000 volontaires, et pas tous, pas uniquement des jeunes. Et ces gens-là se sont formés. Ils sont prêts maintenant à participer à des activités, pas uniquement sportives, mais d'encadrement. Et ça, je pense que le bilan humain est aussi probablement plus important que le bilan de la logistique, en définitive. In assessing Kazan, FISU also took stock of its sports program. Not only was there a record number of medals up for grabs, there was also a record number of sports taking place, 27 altogether, and that may be as big as it gets. L'enseignement, je dirais, un petit peu négatif, c'est juste que nous ne voulons pas aller vers un tel gigantisme, qu'avec autant de sports, on sait très bien que nous avons des problèmes à trouver d'autres candidats et que nous devons limiter la fraction des sports. So, in one way, the Summer Universiade seems to have reached its limits. More sports lead to more infrastructure, more experts, more sports commissions and organization. For the first time, both FISU and the organizers are putting on the handbrakes. Pour Guangzhou, qui auront lieu en 2015, nous avons déjà limité le nombre de sports. Nous l'avons limité à 21. Guangzhou a encore demandé lors des derniers mois d'ajouter le nombre de sports. Et le comité exécutif qui avait accepté avec Kazan d'augmenter graduellement ce nombre de sports a refusé. Et donc je crois que c'est un signal fort que nous lançons aux prochains organisateurs et aux prochains candidats de nos universiades. So FISU wants to be flexible, but not weighed down by its size. Meanwhile, at Guangzhou in 2015, it has other goals to achieve. J'ai, avec le comité d'organisation de Guangzhou, un rêve. In one way or another, that we could bring together the two Koreas. We could do so more easily than others because we're relatively flexible. Faire se rencontrer. And these, of course, are students. And I believe that the nous, university games faire plus facilement que d'autres. On est relativement flexible. Ce sont des étudiants. Je crois que dans le milieu du sport universitaire, on a un cadre idéal pour essayer de faire quelque chose qui marche bien. The 27th Summer Universiade in Kazan closed on July the 17th last year. The 28th will open at Gwangju in South Korea in 18 months' time. Ce n'est pas les jeux du miracle, c'est les jeux de beaucoup de travail. But there was religious symbolism. Pope Francis lit the torch for the Trentino Winter Universiade. And amazing games, in more ways than one.